Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Pierre Guillot-Urtubise. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette séance d'information et d'échange sur le REM à l'Île des Sœurs. Alors, on a eu plus de 300 quelques inscriptions à cette séance d'information. Alors, tous et toutes la plus cordiale des bienvenues. Alors, on ne peut ni vous voir ni vous entendre. Malheureusement, c'est une des contraintes qu'on a avec la COVID. Les micros et les caméras seront ouverts uniquement pour les présentateurs et l'animateur de cette assemblée. On a aussi reçu à l'avance plus d'une trentaine de questions. On va donner réponse à toutes ces questions ce soir lors de la période de questions qui aura lieu tout de suite après une présentation qui devrait durer environ une trentaine de minutes sur ce qui s'en vient avec votre station REM à l'île des Sœurs. Alors, ces questions-là qu'on a reçues, on les a regroupées par thème. Alors, dans certains cas, elles se répétaient, donc on les a fusionnées. Mais n'ayez crainte, vous allez avoir réponse à toutes vos questions. On prendra aussi ce soir des questions du public pour nous les faire parvenir. Rien de plus simple, vous regardez votre écran et vous allez trouver facilement une boîte encadrée grise qui s'appelle « Soumettre une question ». Alors, vous n'avez qu'à écrire votre question dans cette boîte qui est située sous la fenêtre où vous voyez les présentateurs. Alors, vous ne verrez pas les questions qui sont envoyées par tout le monde, mais nous, on les reçoit toutes et on va tenter de répondre à un maximum de questions jusqu'à environ 20 heures. On peut dépasser un peu, là, mais c'est l'horaire sur lequel on s'est engagé. Si jamais il y avait tellement de questions qu'on n'est pas en mesure de toutes y répondre à la fin de la rencontre, ce qu'on va faire, c'est qu'elles vont toutes être écrites. Il y aura réponse écrite à chacune de ces questions-là et toute personne qui se sera inscrite et qui a participé à la rencontre ce soir va les recevoir. Et ces questions-là seront aussi disponibles sur le site web du projet du REM. Donc, vous aurez réponse à vos questions, soit ce soir ou dans les réponses écrites dans les prochains jours. You can ask a question in the language of your choice. You can also access the English version of PowerPoint presentation in the English tab. Évidemment, si une question nous est adressée en anglais pour le bénéfice de l'Assemblée, je la traduirai en français. Si vous avez besoin d'aide, pour quoi que ce soit, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône intitulée « Aide » qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Vous pouvez toujours, je vais peut-être le répéter pendant l'Assemblée, cliquer sur les boîtes à l'écran pour les grossir au besoin. Par exemple, si vous souhaitez voir la présentation en plus gros, si vous voulez voir les gens qui y répondent en plus gros, vous n'avez qu'à cliquer sur leur boîte. Alors, avant de débuter cette rencontre, permettez-moi de saluer les élus qui sont présents avec nous virtuellement ce soir de votre arrondissement, le maire de l'arrondissement, M. Jean-François Parenteau, les conseillers et conseillères d'arrondissement Véronique Tremblay, Pierre Lheureux, Luc Gagnon et Marie-Andrée Mauger, et la conseillère de ville, Mme Marie-Josée Parent. Alors, bienvenue à tous et merci de votre intérêt. Alors, pour ce qui est des présentateurs de cette présentation PowerPoint, je vous les présente immédiatement. Il s'agit de Mme Isabelle Lachance, qui est conseillère en relation avec la communauté pour le projet REM, et de M. Xavier Denettencourt, chef de l'antenne Rive-Sud pour Nouvelle-Ère, qui est le consortium, comme vous savez, qui réalise les travaux du REM. Pour la période de questions, se joindra aussi à nous M. Mario Beausoleil, qui est directeur des opérations du REM. Il se joindra à nous tout de suite après la présentation. Alors voilà, ça complète la mise en bouche. Alors allons-y maintenant pour cette présentation d'une trentaine de minutes et ensuite, ça sera la période. Alors, Isabelle. Oui, bonjour. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour toute l'équipe d'être avec vous ce soir pour vous présenter le REM à l'île des Sœurs et répondre à vos questions. Nous nous étions rencontrés en personne à peu près à pareille date l'an dernier. Bon, cette fois-ci, c'est en mode virtuel. Même si les temps sont plus difficiles, on espère quand même pouvoir vous faire un peu rêver ce soir. Donc, l'ordre du jour, M. Guillot, vous l'a présenté. Donc, il va y avoir une courte mise en contexte sur le REM. On va vous présenter ensuite le REM à l'île des Sœurs.
les travaux en cours et à venir, et on va terminer par une période de questions. Donc, les questions reçues à l'avance, mais également là, celles que nous aurons reçues ce soir. Donc, allons-y pour la mise en contexte. Donc, d'abord, quelques mots sur le réseau express métropolitain. Donc, le REM, c'est un nouveau réseau de transport collectif en construction dans le Grand Montréal, comme vous le savez certainement. Le REM, c'est un métro léger, 100% électrique, 100% automatisé, qui va compter 26 stations. Donc, sur le plan que vous voyez à l'écran, c'est la ligne Verpa. L'arrivée du REM à l'Île-des-Sœurs, c'est surtout l'arrivée d'une nouvelle offre de transport collectif dans votre communauté. C'est une offre de type métro, donc avec une haute fréquence de service. Le REM va être en service 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous allez aussi être connecté directement à l'aéroport, mais également au métro, à trois endroits, donc à la gare centrale Bonaventure, à la station McGill et à Édouard-Montpetit. D'entrée de jeu, nous souhaitions revenir sur la mise à jour du projet qui a eu lieu là, il y a à peu près 2 semaines. Donc, l'échéancier du projet a été actualisé en raison de l'impact de la COVID-19 et aussi de 2 enjeux importants dans le tunnel du Mont-Royal, là où va circuler le REM. Donc, ces 2 enjeux-là, ce sont l'état de dégradation beaucoup plus grand qu'anticipé d'une portion du tunnel Mont-Royal dans le secteur du centre-ville, et aussi une détonation imprévue d'une charge de centenaire qui a eu lieu dans le tunnel et qui a amené à la mise en place de mesures de santé, sécurité très importantes. La sécurité, que ce soit pour le REM ou pour le consortium Nouvelle Air qui réalise les travaux, c'est une valeur fondamentale. Donc, les mesures qui ont été mises en place sont très musclées. Ça va jusqu'à avoir des travaux qui sont réalisés à distance par robot, alors que c'était prévu plutôt en personne. L'impact, vous le voyez sur l'écran, ce que ça veut dire pour l'antenne Rive-Sud, donc de la station Brossard jusqu'à la station Gare Centrale, là où est située la station Île-des-Sœurs. La mise en service, elle est maintenant prévue au printemps-été 2022, donc un délai d'à peu près 3 à 6 mois environ. Pour le tronçon suivant, donc de la gare centrale, en excluant la gare centrale, mais juste après la gare centrale jusqu'à Duruisseau, donc c'est le trait vert là, que vous voyez à l'écran, là où sont situées les stations McGill et Édouard-Montpetit, par exemple, la mise en service, elle est maintenant à l'automne 2023. Et le reste du réseau va se mettre en service progressivement en 2024. Malgré les ajustements, le projet continue résolument d'avancer. Donc, il y a eu un grand dévoilement la semaine dernière, lundi dernier, vous étiez peut-être parmi nous, un grand dévoilement virtuel des premières voitures du REM. Donc vous le voyez à l'écran. Il y a 4 voitures qui ont été livrées au centre d'entretien de la station Brossard. Ces voitures-là, elles vont être vérifiées, elles vont être préparées en vue des premiers essais sur les voies qui vont avoir lieu sur la Rive-Sud dans les prochaines semaines. Donc, c'est cette période de test-là, elle va permettre de tester justement les systèmes électriques, de télécommunication du REM, mais aussi la voiture en conditions hivernales. Donc, allons dans le vif du sujet pour vous présenter le REM à l'Île-des-Sœurs. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vue à haut niveau des infrastructures du REM sur l'Île-des-Sœurs. Donc, l'image que vous voyez, elle est tirée du plan d'implantation de la station qui est disponible sur notre site web au rem.info sous l'onglet « Station ». Donc, ce qu'on voit, la station du REM, elle est en vert au centre de l'autoroute. Vous allez pouvoir la rejoindre par un tunnel piétonnier, un passage piétonnier sous l'autoroute qui va connecter par le fait même le nord et le sud de l'île.
Au sud, donc près de la rue du Pont, vous voyez les principales infrastructures du REM. Donc en bleu, c'est la boucle d'autobus avec les quais d'autobus qui sont prévus pour le REM. Il y en aura quatre. Et le débarcadère, où il y aura des places de dépose minute, par exemple, si vous souhaitez déposer des gens en voiture à la station. Il y a aussi des places de taxi et pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous le voyez ou vous ne voyez pas sur le plan, il n'y a pas de stationnement qui sont prévus à la station Île-des-Sœurs du REM. C'est une station urbaine. L'objectif, et ça c'est vrai pour l'ensemble des stations du réseau, c'est de favoriser l'accès aux stations par transport actif, par transport collectif. C'est pour cette raison-là que la STM est à revoir son réseau d'autobus sur l'île pour assurer un accès rapide, fréquent à la station du REM. Avant de vous présenter les premières images de la station, on sait que c'est très attendu, c'est des rendus 3D qu'on a créés là, pour les présenter ce soir. Nous souhaitons revenir sur les grands principes architecturaux du REM. Donc, le REM, c'est un réseau de transport collectif. L'objectif, c'est que où que vous soyez sur ce réseau, vous puissiez reconnaître une station du REM. Et ça, c'est basé sur trois grands éléments. D'abord, les lignes pour l'effet de mouvement. Donc, il y a des lignes au niveau du pavé. Il y en a également au niveau des surfaces vitrées. Donc, on peut le voir sur l'exemple, sur la diapositive. Parlant de surface vitrée, il y a du vert, donc le vert pour la transparence, l'éclairage naturel, la grande luminosité des stations également, et le bois, donc pour la chaleur, la marque identitaire. Donc, toutes les stations du REM vont être équipées de plafonds en bois. Alors, la voici, la première image de la station Île-des-Sœurs. C'est la première d'une série, donc vous pourrez la voir un petit peu plus en détail là, dans les prochaines images. Donc, on voit la station au milieu de l'autoroute. Ça nous rappelle que le REM est né d'une opportunité historique, la construction du nouveau pont Samuel de Champlain avec sa travée centrale dédiée au transport collectif. La station Île-des-Sœurs, c'est la première station que les usagers vont voir lorsqu'ils vont sortir du pont, lorsqu'ils vont se diriger vers le centre-ville. Pour cette raison-là, c'est une station distinctive du réseau. Ce que ça veut dire, c'est que les architectes ont eu un souci particulier de s'assurer que cette station-là, c'est une station singulière. Ici, ça se matérialise par la couleur blanche de la station, qui rappelle le design du pont. Il y a également des lattes verticales sur le côté de la station pour rappeler les haubans du pont. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vue un petit peu plus précise, détaillée de la station au centre de l'autoroute, mais également des accès au sud de la station. Un mot d'abord sur ce que vous ne voyez pas. Donc, les images que vous voyez, ce n'est pas des photos de ce qui va être mis en place. C'est vraiment des images schématiques. Il y a certains éléments qui ne sont pas représentés sur les rendus que vous voyez, notamment les éléments de signalisation. Ce sont des éléments qui sont en ce moment en validation, en analyse. C'est pour cette raison-là qu'ils ne sont pas représentés. Mais on tenait quand même à vous présenter des images ce soir. Ce qu'on voit sur l'image, c'est la place d'entrée, la grande place d'entrée qui va mener au passage piéton, piétonnier sous l'autoroute. On peut voir qu'il y a des îlots de biodiversité, notamment dans la place publique. Également, il y a du mobilier urbain. C'est possible de revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, on voit en fait une image un peu plus détaillée des accès au sud que vous avez entrevu sur la diapositive précédente. Donc à droite, on aperçoit le débarcadère dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on voit également, là, je vous parlais que le REM, c'est un réseau, donc il y a une signature architecturale réseau. Il y a aussi une stratégie de coloration du REM par tronçon. Donc, le REM a été divisé par tronçon et chacun a sa couleur propre.
La station Île-des-Sœurs, elle fait partie du tronçon emblématique qui est caractérisé par la couleur blanche. Donc oui, il y aura la station qui est blanche, mais cette couleur-là, vous allez aussi la retrouver dans l'aménagement paysager. Donc on le voit bien dans l'image avec les petites touches de blanc. Au niveau du mobilier urbain également et au niveau de la céramique à l'intérieur de la station. Ce qu'on voit aussi sur cette image-là, c'est le fameux passage piétonnier sous l'autoroute, donc le tunnel piétonnier qui mène à l'entrée de la station qu'on distingue au milieu de l'image. C'est un tunnel qui va être éclairé, qui va être aussi muni de caméras de surveillance qui vont être directement connectées au centre de contrôle. Ce que vous voyez sur cette image, c'est les accès au nord. Et là, particulièrement pour cette image-là, je vais émettre une mise en garde. La configuration des accès au nord, c'est en conception en ce moment. Donc, vous ne voyez pas aussi tous les éléments de signalisation qui seront prévus. Donc, bien sûr, c'est prévu d'avoir des cheminements sécuritaires et fluides pour accéder aux stations. Mais ici, tous les éléments de signalisation, vous ne les voyez pas. Ce que vous voyez, c'est un aperçu de la reconfiguration du rond-point Claude Robitel en T. Donc avant, maintenant, en fait, c'est un carrefour giratoire, on va le reconfigurer en T, justement pour absorber le flot de circulation piéton, vélo, automobile qui est anticipé avec l'arrivée du REM, s'assurer que c'est fluide, c'est sécuritaire pour tous. Vous voyez également le passage piétonnier, le tunnel piétonnier qui va vous mener à l'entrée de la station, où vous pourrez monter au niveau des quais pour aller rejoindre les voitures du REM. Donc, on la voit ici, la fameuse entrée de la station qu'on distinguait sur les autres rendus 3D. Comme je le mentionnais, toutes les entrées des stations du REM vont être reconnaissables, notamment avec le bandeau lumineux qui est situé là en haut où on voit le nom de la station. Donc, c'est un bandeau qui va être illuminé en soirée et la nuit. Toutes les stations du REM, ce sont des stations accessibles universellement. C'est vrai pour l'ensemble du réseau. Sur l'image que vous voyez, on voit notamment les lignes de guidance là, en milieu d'image qui seront utilisées là, par les personnes malvoyantes, non-voyantes pour se guider là, vers l'entrée de la station. Et voici une image de l'intérieur de la station. Là, vous êtes vraiment au niveau des quais. Donc, je parlais de la grande luminosité des stations. Là, on le voit bien sur cette image-là. Ce qu'on entreaperçoit là, à gauche dans l'image, ce sont les portes palières. Donc, c'est des portes un peu comme des ascenseurs qui vont s'ouvrir et se fermer lorsque les voitures du REM vont entrer en station. Ça permet une grande fiabilité du réseau, donc d'avoir vraiment un corridor dédié pour le REM. Les stations, comme les voitures, sont aussi munies de Wi-Fi. Donc, on parle vraiment d'un réseau du 21e siècle. En terminant, avant de céder la parole à mon collègue Xavier Denis-Tancourt du consortium Nouvelle Ère, vous voyez le pont du chenal de l'Île-des-Sœurs. Donc, une image en construction et un rendu. C'est un pont qui a aussi fait l'objet d'une conception distinctive, donc aussi par la couleur blanche qui rappelle le pont, mais également par les piliers qui sont en forme de tulipe. Alors, merci donc, Isabelle. Je crois que tout le monde aura compris qu'il y a un petit délai dans la gestion des diapositives. Alors, ce qui explique les pauses qu'Isabelle prenait pour que, à chaque fois qu'elle présente, vous ayez bien l'image à l'écran. Alors, merci beaucoup. Et pour la suite de cette présentation, cette fois-ci sur les travaux en cours et à venir, M. Xavier de Netan. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais essayer de vous présenter rapidement l'avancement des travaux à ce jour et ce qui nous attend l'année prochaine. Donc,
Donc en fait, les travaux sur l'île des Sœurs sont divisés en cinq chantiers qui sont tous un peu différents, qui ont tous leurs spécificités. D'ouest en est, on a le pont du chenal de l'île des Sœurs, décrit par Isabelle, qui est un ouvrage spécial, métallique, élancé, qui se prolonge sur une structure plus classique en béton, une rampe en béton qui s'avance vers l'île des Sœurs, c'est le troisième chantier. Puis après, au sud de la 15, on aura le débarcadère et la sous-station électrique qui forment un autre type d'activité, une autre préparation. Puis au nord de la 15, plus tard encore, on aura l'intersection du rond-point Claude Rubitel qui va être modifié. Le rond-point va être transformé en carrefour permettant aux piétons de traverser la zone plus facilement. Donc si on revient sur ce qu'on a fait cette année, cette année on a essentiellement travaillé sur trois de ces cinq chantiers. On a travaillé sur le pont signature, on a planté les piles dans l'eau, on a posé la structure métallique, on a bien avancé en fait sur cette structure-là, on a posé les dalles en béton et on est en train de le compléter. Sur la rampe, qui va donc vers la station aussi, on a fait les 14 piliers, on a posé toutes les poutres en béton et le tablier, on travaille encore sur le tablier. Sur la station Île des Sœurs, on a fait les fondations, on a fait les murs qui vont supporter la structure métallique et le verre et le train qui va venir. Donc on a fait essentiellement de la partie fondation de cette station. Donc maintenant, on va vous montrer une petite vue en drone de l'aspect de ce que nous avons réalisé cette année. Alors, il y a un peu de délai. En fait, il y a un petit peu de retard parce que ça a été fait en octobre 2020 et depuis octobre 2020, on a fait quelque chose quand même. C'est un drone qui volait tout doucement. Donc ça, c'était l'avancement des travaux en octobre. Donc vous avez vu qu'on a fait un peu de chemin depuis. Et alors jusqu'à la fin de l'année, il ne reste pas énormément de temps, mais on a encore quand même certaines ambitions avant de clôturer cette année. Donc sur le pont, nous ce qu'on voulons, et je pense qu'on va vraiment y arriver, c'est terminer le tablier, de finir le pont, finir toute la partie béton et structure du pont. Pour la rampe qui va mener vers la station l'île des Sœurs, on va aussi avancer le plus possible. Peut-être qu'on va mordre un tout petit peu sur l'année 2021, mais quand même, l'idée, c'est qu'au début de l'année 2021, on devrait avoir aussi terminé toute la partie en béton. Et de façon un peu similaire sur la station Île des Sœurs, l'idée c'est de terminer toutes les fondations et les gros murs en béton lourds, tout le travail en génie civil lourd. Après, donc, pour l'année 2021, on va un peu changer de registre. Sur la structure aérienne, on va commencer l'installation des rails, comme on l'a fait sur la rive sud. On va installer les infrastructures, les poteaux, les câbles, tout ce qui permet au courant de passer, tout ce qui permet aux signaux de passer, tout ce qui permet aussi de se protéger. On va mettre des barrières, etc. Donc on change un peu de registre sur la structure aérienne. Sur la station Île des Sœurs, on va finir un peu les fondations, mais on va surtout rentrer dans le bâtiment, on va mettre les partitions, on va commencer à installer les éléments électromécaniques et au-dessus, on va installer la structure métallique, le verre, la toiture. On va l'aménager. Et puis on va ouvrir deux autres chantiers au sud et au nord. Au sud, on va aménager le débarcadère, on va aménager la sous-station qui va permettre au courant de rentrer sur cette partie du REM.
on va travailler sur le tunnel qui passe sous la 15, et puis au nord, on va travailler sur l'accès Claude Rebutel, où on va transformer le rond-point en un carrefour qui permettra aux piétons de traverser la zone de plus facilement, de façon plus sécuritaire. Et puis, en faisant tout ça, on va aussi se raccorder aux utilités publiques, à l'eau, aux égouts, tout ça. Donc ça, c'est un peu les activités qui vont venir en 2021. Alors, on est bien conscient du fait que vous êtes lassé de voir des travaux sur l'île, que vous attendez la fin des travaux avec impatience. On faut encore un tout petit peu de patience. On est presque au bout du tunnel ou au bout du pont, je dirais. Donc l'année prochaine, on va encore bloquer une voie de chaque côté de la 15 pour permettre la fin de la station. Pour construire, pour modifier le rond-point Claude Rebutel entre le printemps et l'été, on va devoir bloquer la zone pendant environ 2 mois. Et puis, du côté de la rue du pont Champlain, de façon un peu similaire, on va aussi devoir bloquer la rue. Mais ces deux travaux, donc du côté Claude Rebutel, du côté rue Champlain, ne vont pas avoir lieu en même temps. Ça va être décalé. Alors, à plus court terme, on a encore quelques entraves sur la 15 et sur le boulevard de l'île des Sœurs, mais les travaux ont bien avancé, donc on pense qu'on aura un peu moins que prévu. On aura quand même on aura quelques entraves ponctuelles la nuit. On bloquera peut-être la 15 la semaine du 4 au 7 décembre, mais on pense pas toute la fin de semaine, seulement partiellement. Et à partir de là, ça sera terminé dans cette zone en termes d'entraves. Merci beaucoup, Xavier. Donc, en terminant, on rappelle les grands bénéfices qui vous attendent avec l'arrivée du REM en termes de temps de parcours, donc un accès au centre-ville très rapide. Donc, vous allez être à 6 minutes de la gare centrale, à 10 minutes d'Édouard-Montpetit, environ 30 minutes de l'aéroport. Donc, toutes ces destinations seront maintenant à portée de REM. Et pour vraiment terminer, cette fois-ci, vous avez nos coordonnées à l'écran, donc notre ligne téléphonique dédiée, notre courriel dédié aussi. On est sur tous les médias sociaux. Un mot sur notre site internet, donc rem.info, où il y a également un espace citoyen centre-ville où vous pouvez trouver de l'information sur les travaux et sur la station. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Xavier. On arrive maintenant à la période de questions. Je vous avais dit que ça durerait environ 30 minutes. On est exactement dans les temps. Alors, je vous rappelle le fonctionnement. On a reçu 31 questions exactement à l'avance. Alors, on les a réparties et je vais les lire et je vais demander à Isabelle puis Xavier d'y répondre. Pendant ce temps, vous pouvez nous soumettre d'autres questions en utilisant la petite boîte qui est sur votre écran. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours cliquer sur nos images ou sur la présentation qui apparaît à l'écran si vous souhaitez grossir l'une ou l'autre de ces fenêtres. Alors, si ça va à tout le monde, on va maintenant y aller avec la période de questions. Je souhaite la bienvenue à Mario Beausoleil, directeur des opérations du REM, qui se joint à nous pour cette période de questions. Bienvenue, Mario. Et puis, on y va avec la période de questions. Alors, quelques-unes sur l'aménagement. D'abord, une question de Mario Langlois. De quelle manière la sécurité des piétons provenant de la place du commerce et se dirigeant vers la station du REM sera-t-elle assurée à la croisée de la bretelle d'accès du pont Champlain en provenance du boulevard René-Lévesque? Alors, Isabelle, les premières questions vont être pour vous. Alors, allez-y. Parfait. En fait, j'assume que la question de M. Langlois là, parle du passage piétonnier qui pourrait venir de la place du commerce pour se rendre là, à partir du sud vers l'accès de la station. En fait, en ce moment, pour toutes les intersections autour de la station du REM, il y a des analyses de circulation qui sont en cours, justement pour évaluer là, les flots de circulation piétons, cyclistes, automobiles et déterminer des mesures qui vont être mises en place pour s'assurer que tout ça est bien sécuritaire. Donc, pour cette
cet endroit-là en particulier, là, on regarde entre autres, bien, il y a un passage prioritaire d'abord là, qui va être prévu pour les piétons, ça c'est sûr et certain, et on regarde la possibilité d'ajouter des éléments de signalisation additionnelle comme un feu de circulation par exemple, mais tout ça va être confirmé, va être validé par les analyses qui sont en cours en ce moment. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième question, j'aimerais vous dire qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à nous écrire des questions en utilisant la petite boîte, alors je vous invite à le faire. Alors, la deuxième question est celle de M. Alain Robert et de M. Pascal Léveillé qui avaient des questions similaires. La rue du Pont-Champlain demeurera-t-elle à sens unique S-Ouest? Si oui, par où sortiront les véhicules, les autos et les autobus qui voudront demeurer sur l'île des Sœurs après avoir déposé des passagers? Sinon, qu'est-ce qui est prévu pour les allers-retours des voitures pour les résidents de l'île des Sœurs? Alors, Isabelle. Oui, donc la rue du Pont-Champlain, elle va demeurer à sens unique S-Ouest. Donc ça, c'est inchangé par rapport à la situation actuelle. Et comme c'est le cas en ce moment, les automobilistes qui sont sur la rue du Pont-Champlain pourront retourner dans les dessins sur le réseau local via la rue Place du Commerce. Donc la configuration demeure inchangée. Merci. Autre question de M. Alain Robert. En sortant de la station, les piétons devront traverser la rue du Pont-Champlain pour emprunter le seul trottoir qui serait du côté sud de cette rue. Y aura-t-il un feu de circulation ou seulement une priorité pour les piétons de cet endroit? Oui, donc ça ressemble à la question de M. Langlois. Donc, comme je le mentionnais, il y a une analyse qui est en cours là, pour la circulation dans ce secteur-là. Il y a un passage prioritaire qui est prévu pour les piétons et on regarde là, pour ajouter des éléments de signalisation additionnels comme des feux de circulation pour s'assurer là, que c'est bien sécuritaire pour les piétons. Alors, M. Robert en a posé une autre, toujours sur la circulation. C'est un enjeu qui l'intéresse beaucoup. Autour de la station, avec la circulation automobile qui ne manquera pas d'être abondante, sans compter les autobus, y aura-t-il des feux de circulation devant la caserne des pompiers au coin du boulevard René-Lévesque et de la rue du Pont-Champlain? Oui, bien en fait, je comprends que c'est une préoccupation. Là. Donc, on arrive avec une station où on anticipe un bon achalandage. Comme je le mentionnais, là, je vais le réitérer, on réalise en ce moment des analyses de circulation qui vont nous permettre de déterminer où mettre de la signalisation, sous quelle forme. Et ça, c'est une des intersections aussi qui est analysée en ce moment. Merci. Alors, je vous invite à continuer de poser des questions. Il y en a d'autres qui entrent, je les vois, et on va y arriver après avoir répondu à celle-ci. Alors, question de M. Benoît Graton. Sur les images qui présentent le concept de la station, il semble que le passage piéton sous l'autoroute qui mène à la station sera exposé aux intempéries et aux éclaboussures des véhicules circulant sur l'autoroute. Est-ce que c'est prévu que cet espace soit couvert? Sinon, les côtés de l'autoroute seront-ils équipés de panneaux de protection pour éviter les éclaboussures? Isabelle? Oui, alors c'est une question qui se pose sur tout le réseau. Là où il y a une structure aérienne, on est en train d'évaluer le sujet. C'est certain qu'il y a un mécanisme qui va être prévu. Ça pourrait, par exemple, là, être des clôtures l'hiver. L'objectif, on va s'assurer là, que ça évite bien sûr les éclaboussures et que ce soit aussi intéressant visuellement, mais c'est en analyse de notre côté. Merci. Est-ce que les structures électriques visibles le long des rails sur l'autoroute 10 près du quartier 10-30 seront présentes tout le long du circuit? J'imagine qu'on parle des caténaires. Devons-nous envisager voir ces structures à l'île des Sœurs jusqu'au centre-ville? Dans la maquette et les images qu'on montre, on ne voit rien en hauteur à ce sujet. Alors, Isabelle, sur cette question? Oui, en fait, les structures dont vous parlez là, vont être présentes tout le long des rails sur le tracé. Donc, le REM, comme je mentionnais, c'est un réseau électrique. Il est alimenté par des câbles électriques, là, les caténaires. Donc, ce que vous pouvez voir du côté de Brossard, parce qu'on est un petit peu plus avancé dans ce secteur-là, c'est ce qui va être présent là, tout le long du tracé. Merci. Question de Diana. Est-ce que la station de service du REM à l'île des Sœurs donnera vue sur les unités des condos de la Pointe-Nord? Je m'inquiète, en tant que résidente de la Pointe-Nord, de ne plus avoir d'intimité lorsque les rideaux sont levés. Alors, qu'en est-il de cet enjeu d'intimité?
Donc, les premières habitations, les tours à condos là, qui sont situées du côté de la Pointe-Nord, comme la station, elle est au centre de l'autoroute, ils sont assez éloignés. Là. On parle d'une centaine de mètres. Donc, de notre côté, on n'anticipe pas d'enjeux là, du côté de l'intimité des gens qui habitent du côté de la Pointe-Nord en lien avec l'arrivée de la station à l'île des Sœurs. Merci. Question de M. Jean Poirier. Nous voyons présentement une grosse structure de béton très différente de la station Panama ou de la station 1030. Qu'en sera-t-il de la station de l'île des Sœurs? Alors, on l'a vu tout à l'heure des images, mais Isabelle, sur cette question précise. Oui, bien, effectivement. En ce moment, ce que vous voyez, ce sont les fondations de la station. Donc, les équipes sont à bétonner les fondations. Comme je le mentionnais dans la présentation, les stations du REM, elles vont être assez similaires l'une à l'autre. Donc, la station L'Île des Sœurs, elle va être très similaire là, à la station 1030 ou la station Panama. Donc, elle va bien être vitrée. Les équipes ne sont pas encore rendues à cette étape-là. Ce que je mentionnais aussi, c'est que la station L'Île des Sœurs, c'est une station distinctive. Donc, elle va l'être de par sa couleur blanche qui va être un peu différente de ce qu'on voit du côté des stations, par exemple, du quartier là, qu'on voit très bien. Et il va aussi y avoir des lattes sur la station. Merci. Madame Beauchamp et Madame Lejeune, Marie-France Lejeune, avaient la même question. Est-ce qu'il y aura un stationnement près du REM à l'île des Sœurs? On y a répondu tout à l'heure, mais peut-être rappeler qu'est-ce qu'il y en est. Oui, donc il n'y a aucun espace de stationnement qui est prévu. Il y aura par contre un dépose minute, comme je le mentionnais. L'objectif, et ça c'est vrai pour l'ensemble du réseau, c'est de favoriser l'accès par transport actif, par transport collectif. Donc c'est pour ça qu'il y a une refonte du réseau d'autobus et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y aura pas de stationnement prévu. Merci. On arrive à la 10e question. Je vous rappelle que j'en ai 31 qui ont été adressées à l'avance. J'en ai déjà reçu une dizaine de citoyens qui utilisent la petite boîte grise soumettre une question que je vous invite à utiliser. Alors, la 10e, question de Diana. J'aimerais avoir des informations de ce que vous savez jusqu'à présent sur comment la construction du REM affectera le projet du condo NEX et l'espace vert de la Pointe-Nord. Oui, en fait, on n'a pas d'informations de notre côté sur ces projets qui relèvent là, de promoteurs immobiliers et de l'arrondissement. Donc, malheureusement, ce soir, on ne peut pas vous donner plus d'informations. Merci. Autre question de Diana. Plus de détails sur les installations à l'intérieur de la station de service REM. Est-ce qu'il y aura un restaurant, passerelle piétonne, etc.? Vous avez parlé des portes palières. Alors, qu'en est-il? Oui, donc il n'y a aucun espace commercial, il n'y a aucun bâtiment commercial qui est prévu à l'intérieur de la station. Ce n'est pas non plus prévu là, au niveau du tunnel piétonnier. Donc la station Île des Sœurs, son aménagement, ses locaux, c'est vraiment dédié uniquement au transport collectif. Merci. Alors, question de Svein. The generic station 3D animations show a pleasant station layout. But there appear to be no facilities, no shop or services. Will there be provision for such services? Will buses be accessible without waiting outside? Alors, c'est une question similaire sur posée par Sven sur la présence de magasins de services. Est-ce qu'il y en aura? Et est-ce que les autobus seront accessibles sans qu'on soit obligé d'attendre à l'extérieur? So, yes, indeed, there are no commercial space planned in the REM stations. As for buses, the bus shelters will be outside, as shown in the implementation plan in the presentation. Est-ce que tu peux répéter oui. Ces réponses en oui. Français, Isabelle? Tout à fait. Donc, comme je le mentionnais, il n'y a pas d'espace commercial qui est prévu dans les stations du REM. Pour ce qui est des abribus, ils vont effectivement être à l'extérieur, comme on a pu le voir là, sur le plan d'implantation que je vous ai montré au début de la présentation. Merci beaucoup. Question d'Alain Robert. Est-ce bien à cause du plan d'urbanisme de l'arrondissement qui tarde à venir que vous n'avez pas aménagé un accès piétonnier jusqu'à la rue Place du Commerce?
Non, en fait, ce n'est pas en lien avec le plan particulier d'urbanisme de la Pointe-Nord. Ce n'est pas une responsabilité, en fait, du REM, du réseau express métropolitain, mais plutôt de l'arrondissement. Donc, sur tout le réseau du REM, les municipalités sont responsables de l'aménagement du territoire, donc de planifier, d'aménager les accès vers la station. Notre équipe, donc le REM de notre côté, nous, on construit la station et les infrastructures connexes. Donc, monsieur Jean-François Parenteau, qui est maire de l'arrondissement, a déjà indiqué que c'était en planification de leur côté, du côté de l'arrondissement. Alors, une question connexe, j'imagine que c'est un peu la même réponse d'Alain Robert. Avez-vous ou aurez-vous des budgets pour aménager prochainement un tel accès? Sinon, qui, selon vous, devra payer? Oui, ben donc ce n'est pas du ressort du projet du REM, mais c'est plutôt du côté de l'arrondissement. Merci. Autre question de M. Alain Robert. Les automobilistes de la Pointe-Nord devront-ils déposer des piétons par le débarcateur prévu du côté sud ou pourront faire descendre des piétons près du rond-point Claude Robutel? Oui, alors le dépose minute là, dans Débarcadère, il est prévu du côté sud, comme vous avez pu le voir sur le plan d'implantation. La reconfiguration en T du rond-point Claude Robutel ne prévoit pas d'espace de dépose minute. Alors, merci Isabelle d'avoir travaillé fort. Alors, ça va être au tour de M. Xavier de Nettancourt. Une question de M. Langlois. Est-ce que la reconfiguration du carrefour Claude Robutel sera terminée pour l'ouverture de la station du REM? Absolument. Absolument. Voilà, réponse catégorique et rapide. Question, la 17e, celle de Jad Coriati. Quand est-ce que le pont du chenal de l'île des Sœurs sera complété, que le pont temporaire sera retiré et que les berges seront aménagées? Donc, le pont sera complété au début de l'année 2021, il n'y a pas de doute là-dessus. Les berges, on les remettra comme on les avait trouvées au cours de l'année 2021 aussi. Quant au pont temporaire, il ne dépend pas de nous, il dépend d'une autre autorité, l'autorité qui gère le pont Jacques-Cartier et l'ancien pont Champlain, et c'est eux qui décideront quand et comment ils voudront le démolir, le remplacer et remettre les berges en état après ça. Merci beaucoup. Question de Carl. When will the pedestrian tunnel under the bridge open? Quand est-ce que le tunnel piétonnier sera ouvert? Well, the tunnel will be open to the public once the station will be open. So once the commercial opening will start roughly. OK. Donc en français, monsieur Denis. Donc le tunnel sera ouvert au public en même temps que la station, et ce qui adviendra aussi au moment où de l'ouverture commerciale de la station et en fait de tout le segment. Merci beaucoup. Alors, sur l'échéancier, alors je reviendrai à Isabelle Lachance. Question de Colin McBride et de Jean Poirier. What is the current target date for opening downtown Nuns Island South Shore segment? How has COVID impacted project delivery schedules? Alors, quel est l'échéancier le plus récent pour l'ouverture de ce segment-là, Rive-Sud de l'Entreville et l'île des Sœurs, et comment est-ce que le COVID a impacté les échéances? Je vais commencer en anglais. Donc, the current target for the opening of the South Shore segment is spring, summer 2022. COVID-19 did have an impact on schedule. So our team conducted an analysis to evaluate this impact, and the results were that there will be a delay of 3 to 6 months for the opening of the segment. So the pandemic has resulted in a cascade of impacts. So there was a work shutdown period last spring, as you may know. There's also an impact on the mobility of the specialized workforce. There's an impact on our supply chain. And of course, there's the implementation of health measures due to the pandemic. Donc, l'échéancier de mise en service pour la station et des Sœurs, comme j'ai mentionné plus tôt, là, il est printemps-été 2022. C'est le cas aussi là, de l'antenne Rive-Sud.
La pandémie a eu en fait une cascade d'impact sur nos chantiers, notamment bon, il y a eu une période d'arrêt des chantiers là au printemps dernier. Il y a également un impact sur la mobilité de la main-d'œuvre très spécialisée qui travaille sur le REM, également un impact au niveau de la chaîne d'approvisionnement, donc ce soit au niveau des fournisseurs ou des matériaux, et bien sûr il y a des mesures très strictes qui ont été mises en place pour les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour assurer la santé et sécurité là, des employés, donc qui amène un délai également. Merci beaucoup. Toujours pour Isabelle, question de Svein. When can we expect the REM in normal operation to McGill? Quand est-ce que le REM sera en opération jusqu'à la station McGill? Yeah, so the segment from Gare Centrale, excluding Gare Centrale, Tout du Ruisseau, will be open in the fall 2023. Donc, c'est le segment où est McGill, c'est ça? Oui, oui, merci de le préciser. Donc, oui, le segment de la gare centrale jusqu'à Duruisseau, où est située la station McGill, va être ouvert là, à l'automne 2023. Merci. Question pour M. Beausoleil, cette fois, et peut-être Isabelle en complément. Marcel Robert, Benoît Rassette, Marie-France Lejeune, M. Restrepo, Svein et Timothée Fèze ont posé des questions similaires. Pourriez-vous nous éclairer au sujet des bus et des liaisons vers le sud de l'île des Sœurs, particulièrement sur les tracés, les horaires, les fréquences? Qu'adviendra-t-il des circuits d'autobus 12, 168, 178? Y aura-t-il un circuit spécifiquement dédié à se rendre vers le REM? Y aura-t-il un circuit qui fait l'île en boucle pour desservir la station REM? Bon, alors on les a mis tout ensemble, alors c'est l'occasion d'y répondre sur les enjeux de tracé, de transport collectif. Alors, peut-être Mario et Isabelle? Oui, je vais y aller en fait en vue de l'arrivée du réseau express métropolitain. Comme vous le savez certainement, là, la STM est à revoir son réseau d'autobus à l'île des Sœurs. L'objectif, bien sûr, c'est d'assurer un accès rapide, fréquent à la station. Il y a eu une consultation qui a eu lieu en 2019 là, par la STM à l'île des Sœurs et en ce moment, la STM est en cours d'analyse, de validation des différents scénarios. Donc, on n'a pas le détail encore. Je comprends que les gens veulent voir tout ça, mais ça viendra. C'est sûr que la refonte du réseau va être prête pour la mise en service du REM. I can answer in English as well. So we're working closely with the STM. So the bus network redesign will be ready for the commissioning of the REM. We don't have the details right now. It will come, but the STM is currently conducting its analysis. Alors, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, Mario, il y a d'autres questions sur les opérations, vous allez répondre. Alors, question de Marc Girard. Est-ce que les autobus de la STM vont aussi continuer à être disponibles à l'île des Sœurs pour se rendre au centre-ville de Montréal, où tout va être abattu vers le REM? Oui, Isabelle. En fait... Ça va être un petit peu la même réponse. Donc, la STM est à revoir son réseau. Donc, on n'a pas le détail, là, par exemple, à cette question-ci. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'avec le REM, vous allez avoir un accès très rapide là, au centre-ville. On parle de 6 minutes pour la gare centrale, 8 minutes pour la station McGill, avec une haute fréquence de service et aussi un service fiable en tout temps, ce qui est plus difficile là, avec un réseau d'autobus. Le REM va vraiment avoir un corridor dédié, ce qui permet une grande fiabilité. Merci. Question 23. Je vous rappelle qu'on en a 31 et je vois dans le gestionnaire de questions qu'on en a une douzaine reçues de l'Assemblée. Alors, ça vous donne une idée du déroulement. Alors, la question, encore une fois, plusieurs ont posé des questions similaires. On les a regroupées. Diana, M. Restrepo, Michel Caldas, Aïda et El Douéni Caldas. Quels seront les tarifs approximatifs pour le REM? J'ai dit monsieur Restrepo, mais c'est peut-être madame. Alors, quels seront les tarifs approximatifs pour le REM? Y aura-t-il des types d'abonnements, accès à tarifs avantageux reliant les deux services? Exemple, REM et Pixi, REM et Opus, etc. Avec quel type de voyage va-t-on payer les autobus qui mèneront à la station du REM à partir de l'île des Sœurs? How will the REM fares be integrated with others Montreal and South Shore systems? Alors, comment ces tarifs seront intégrés à ceux de Montréal et de la Rive-Sud? Alors, les tarifs. Isabelle.
Oui, alors c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc l'ARTM, qui est l'organisme responsable de déterminer la grille tarifaire pour tous les réseaux de transport de la grande région métropolitaine. Donc c'est vrai pour le REM, c'est vrai aussi pour tous les autres réseaux. Ils sont en train de conduire une évaluation à ce sujet-là. Il y a une consultation en ligne qui a d'ailleurs eu lieu à ce sujet cet automne. L'intention demeure que les tarifs là, soient comparables à ce qui est payé actuellement. Mais comme l'analyse est en cours, on n'a pas le détail encore à ce stade-ci pour les tarifs. On n'a pas non plus le détail pour ce qui est le type d'abonnement, le support. Donc, ça viendra aussi au terme de l'analyse là, de l'ARTM. So perhaps in English, so the Autorité régionale de transport métropolitain is responsible for setting the fare schedule for all transit networks in the Greater Montreal area. So they're currently conducting their analysis, so we don't have the details now, but it will come. Merci beaucoup. Question de Mme Béatrice Fortin. Quel est le temps de voyagement entre l'île des Sœurs et la station Bonaventure? Prévoit-on une station dans Griffintown? Quel serait le délai ajouté vers le centre-ville lors de l'arrivée à la station Bonaventure? Où le train arrivera-t-il exactement? Est-ce qu'on sortira du train ou dans la gare? C'est où exactement? Donc, le temps de voyagement entre les dessins à la gare centrale, je mentionnais tout à l'heure, là, c'est 6 minutes. Donc, il y a une station qui est prévue dans Griffintown. Elle va être sur le viaduc sud. Donc, c'est la structure ferroviaire surélevée qui est entre la gare centrale et le pont de la commune. Elle va être de façon très précise sur le viaduc entre les rues Ottawa et William. Lorsqu'elle va être mise en service, là, on parle d'un ajout assez minimal, là, de peut-être 1 minute environ là, sur le temps de déplacement. Pour répondre à la question de où est-ce que vous allez sortir exactement à la station Gare Centrale, donc quand vous allez être dans le REM à la station Gare Centrale, vous allez vraiment arriver au niveau des quais souterrains, donc là où les trains arrivent en ce moment, sous la salle des pas perdus. Donc vous pourrez ensuite monter à la salle des pas perdus et de là, vous allez pouvoir soit rejoindre le réseau souterrain ou encore sortir à l'extérieur là, autour de la station. Voilà, merci beaucoup. La salle des pas perdus, c'est la grande, grande, grande salle, le Oui. grand espace, c'est ça, hein? Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Mario, question pour vous. Tim, Michel Roy et Béatrice Fortin avaient des questions similaires. Étant donné que la station de l'Île des Sœurs se situe après trois stations qui risquent d'être très achalandées en direction de Montréal, celle de Brossard du quartier Panama, avez-vous des craintes de problèmes de capacité pendant l'heure de pointe, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de siège disponible, pas de place à bord des trains pour les passagers qui désirent embarquer à la station à l'île des Sœurs? Peut-on avoir des chiffres sur l'estimation des passagers aux stations précédentes, de celle de l'île des Sœurs vers le centre-ville? Le nombre de passagers versus la capacité des trains? Prévoit-on de l'attente si les trains sont pleins? De quelle est cette attente? Bon, alors, la question est assez claire. Est-ce qu'on va être capable d'embarquer? Bon, merci pour votre question, très intéressant. La raison d'être du REM, c'est justement déplacer les gens. Donc, on prévoit un intervalle entre les rames de 3 minutes 30 dès l'ouverture. Donc, avec une capacité par rame de plus de 780 personnes, on donnera un service de plus de une capacité de déplacement de plus de 40 000 personnes dans les 3 heures de pointe du matin. Par opposé, par exemple, aujourd'hui au service d'autobus, là, qui est environ une vingtaine de milliers de personnes. Donc, on a dès le début, on met beaucoup de services sur la ligne aux heures de pointe. C'est 4 voitures qui circuleront aux heures de pointe, donc 80 mètres de long les rames. Bien entendu aussi, il y a une capacité résiduelle importante aussi par la suite, c'est-à-dire qu'on pourrait de passer de 3 minutes 30 en intervalle à 90 secondes en intervalle. Donc, il y aura de la capacité résiduelle importante sur le réseau, surtout sur le tronçon de la rive sud, qui est un des plus importants de notre réseau. Merci beaucoup. Autre question de Mme Béatrice Fortin. Combien de bus traversant le pont Champlain prévoit-on éliminer avec le REM? Combien y a de passagers dans ces autobus en ce moment?
Bon, comme on disait tantôt, il y a environ 20 000 déplacements qui s'effectuent aujourd'hui. 450 déplacements d'autobus que le REM remplacera dans un corridor, comme disait Isabelle tantôt, un corridor qui est consacré uniquement au REM. Donc, pas de feu de circulation, pas d'embouteillage aux intersections. Donc, en 6 minutes, c'est une rapidité sensiblement accrue par rapport aux déplacements des autobus aujourd'hui, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, un peu de patience à ceux qui ont posé leurs questions. Il nous en reste 5 dans celles qui avaient été soumises à l'avance. Celle de Mme Fortin, toujours, Béatrice Fortin. Combien de passagers exactement un wagon contient-il? Et combien de wagons dans un train à l'heure de pointe du matin et de l'après-midi? Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, mais soyons... combien de passagers dans un wagon? Bon, les trains, on appelle les trains ou des rames, là, bon, c'est deux synonymes. Dans notre cas, c'est des rames qui ont la particularité d'être intercirculants. Donc, on peut passer d'une voiture à l'autre en paquet de deux voitures. Donc, il y a deux voitures et deux autres voitures qui sont assemblées ensemble et ça fait 4 voitures totales qui circulent à l'heure de pointe. C'est une configuration qu'on peut diminuer à une configuration de 2 voitures, donc à l'extérieur de l'heure de pointe. Donc, à l'heure de pointe, chaque rame, il y a 780 personnes qui peut monter à bord et se déplacer. Donc, comme on disait tantôt, à chaque minute et demie, il y a une possibilité de 780 personnes qui sont dans le train vers le centre-ville. Merci beaucoup. Une question d'Aristide. Comment faire pour avoir un emploi au service à la clientèle à la future station de l'Île-des-Sœurs? Est-ce que les habitants de l'Île-des-Sœurs seront priorisés pour certains postes par rapport à leur emplacement géographique? Oui. Donc, les postes. Bien entendu, vous entendez bien sûr que c'est un réseau qui est automatisé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la conduite des trains qui est automatisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conducteur à bord des trains. Par contre, il y a une foule d'emplois qui seront disponibles pour le REM. C'est notre opérateur, ça s'appelle la société GPMM. Ils ont un site Internet sur lequel vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui seront affichées. Vous allez avoir du service d'accueil dans les stations, de la maintenance aussi, de la maintenance des bâtiments, de la maintenance des voies, des trains. Il y a beaucoup d'emplois qui seront à pourvoir dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup. Question en vrac, 3 questions pour terminer. Une question de Mme Lucette Lupien. Le REM va s'arrêter à l'Île-des-Sœurs, puis dans Griffintown, mais tout en survolant, va passer outre au secteur Bridge-Bonaventure. Comment pensez-vous desservir cette population? Isabelle? Oui, la localisation de la station à Griffintown, elle a été établie avec la Ville de Montréal. Donc, il est responsable de l'aménagement du territoire. C'est pour cette raison-là que l'emplacement a été choisi sur le viaduc sud, comme je le mentionnais plus tôt. L'alignement de la structure aérienne dans le secteur du sud-ouest, il est propice à l'ajout d'une station ultérieurement. Donc, c'est pas exclu dans une phase subséquente en fonction des besoins identifiés par la Ville, en fonction des souhaits de la Ville de Montréal, qu'une station pourrait être ajoutée là, dans le secteur Pointe-Saint-Charles. Je le mentionnais aussi pour l'Île-des-Sœurs plus tôt, là, la STM est à revoir son réseau d'autobus. C'est vrai pour l'Île-des-Sœurs, mais c'est vrai aussi sur le territoire de la Ville de Montréal. Il y a eu une consultation pour le Sud-Ouest la semaine passée. Il y a encore des consultations en ligne du côté de la STM, donc je vous encourage à leur faire part de vos besoins et à participer là, à leurs consultations. Merci. 2 dernières questions de Sven en anglais. The Nuns Island Station is now taking shape, and at the last information meeting, we were promised detailed plans showing the actual station with path, buses, and car access facilities. Can this be provided at the meeting and on the rem.info? In particular, the access from Pointe Nord seems to be very difficult with traffic circle and bike path very close. Donc, il pose la question, donc, bien évidemment, il a vu les plans là, comme vous-même tout à l'heure, mais il pose la question, est-ce que c'est possible de rendre disponibles des plans détaillés de la station et de ses accès, particulièrement pour la Pointe Nord? Alors, Isabelle, qu'en est-il?
Yeah, so the renderings presented today, the implementation plans, presented today will be available on our website. The implementation plan is already available. We'll make the renderings available in the next few days. It will be under the stations tab. So for the comment on Pointe Nord, as mentioned earlier tonight, we're conducting analysis to make sure that there are secure accesses to the station. It's true from the north, it's also true from the south. Merci. Est-ce que tu peux répéter en français, s'il te plaît, Isabelle? Oui. Oui, donc les rendus 3D qu'on vous a présentés aujourd'hui, de même que le plan d'implantation de la station plus détaillé, un peu plus macro, vont être disponibles sur notre site web dans les prochains jours. Le plan d'implantation y est déjà, les rendus le seront dans les prochains jours. Vous allez pouvoir y avoir accès là, sous l'onglet station de notre site web. Pour la question le commentaire là, sur les accès du côté de la Pointe-Nord qui semble plus difficile, comme j'ai mentionné plutôt, il y a des analyses de circulation qui sont réalisées pour s'assurer que les accès sont bien sécuritaires là, dans ce secteur-là. En fait, c'est vrai pour le secteur du Nord, mais ça l'est aussi du côté sud. Merci beaucoup. Alors, la dernière question parmi celles qu'on a reçues à l'avance, je vous dis d'ailleurs qu'on est tout près de 160 et quelques personnes qui assistent à cette séance en ce moment. Alors, merci beaucoup de votre présence nombreuse. Alors, la dernière question reçue à l'avance de Svein. The current camera views at rem.info are very static and don't show actual work. Can these be moved to reflect more active work sites? This should include the train sets for which we have no information. Alors, si je la traduis, là, les caméras actuelles sur le site web sont plutôt statiques et ne présentent pas les travaux en cours. Est-ce qu'on peut les bouger pour avoir des meilleures vues des travaux en cours et des trains, etc.? Isabelle. Yes, so we currently have 10 cameras on our website presenting live construction work. For those who don't know, you can access them on our website. So we are changing them regularly to make sure that we do present ongoing work. For Île-des-Sœurs, for example, we've chosen the view from which we can really see construction work on the station. We certainly take note of the comment, and in our next round of changes, we'll try to present as much active work sites as possible. We have a big network, so we have to make choices, but we certainly take that your comment into account. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Merci à ceux qui nous ont envoyé des questions ce soir directement. J'en ai 17 devant les yeux. Il est 7h30. On sera en ligne pour finir ça vers 8h ou autour, donc je pense qu'on aura bien suffisamment de temps pour répondre à toutes ces questions. Alors, j'y vais dans l'ordre de leur réception. Monsieur Yvon Grant, est-ce que CDPQ Infra a déjà complété, Caisse de dépôt de placement Québec Infra, a déjà complété une étude exhaustive des futures intentions des résidents et employés de l'Île-des-Sœurs quant à leur prévision d'utilisation du REM, principalement la fréquence, la destination et les raisons? Par étude exhaustive, je parle d'une enquête auprès de tous les foyers ainsi que les employés des entreprises et commerces de l'île. Sinon, est-ce que la Ville de Montréal ou l'arrondissement Verdun ont complété une telle étude? Alors, sur cette question, Isabelle ou Mario, j'imagine? Oui, je peux commencer, puis Mario, au besoin, là, pourra certainement compléter. Donc, oui, il y a une étude d'achalandage qui a été réalisée là, avant, dans le cadre du développement du projet. C'était basé sur l'enquête origine-destination de l'ARTM. Donc, c'est l'enquête origine-destination, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un sondage scientifique exhaustif qui est fait pour toute la région métropolitaine pour bien comprendre, évaluer les habitudes de déplacement. D'ailleurs, cette étude-là, l'étude d'achalandage, elle est disponible sur le site web de CDPQ Infra. C'est public. Merci. Est-ce que Mario, vous avez à compléter ou ça va? Oui, non, mais j'aimerais compléter. Effectivement, Isabelle, il y a eu une étude qui a été faite avant d'imaginer le REM tel qu'il est aujourd'hui. Comme on disait tantôt, on a, à l'heure de pointe, on a un peu une capacité
qui va chercher le maximum de la technologie d'aujourd'hui. Là. Par exemple, des 90 secondes d'intervalle sur les lignes de métro automatisées, aujourd'hui, c'est le maximum qu'on peut dire, qu'on peut atteindre avec les technologies connues. De plus, à l'extérieur de Pointe, on parlait tantôt qu'il y avait seulement deux voitures, mais on peut en tout temps rajouter deux autres voitures. Donc, on peut doubler la capacité à l'extérieur de l'heure de pointe. Donc, c'est vraiment important aussi de ce côté-là. Et toutes les études démontrent que la capacité qu'on met en place sur notre réseau va appuyer les besoins de déplacement tels qu'ils ont été étudiés effectivement par les études que Isabelle dictait tantôt, là, qui sont sur notre site également. Merci beaucoup. Alors, merci Mario. Je vous rappelle que M. Mario Beausoleil est directeur des opérations du REM, pour ceux qui se seraient joints à nous en cours d'assemblée. Alors, Frank Shaw a une question. Will there be escalators to access the level of the train? The image showed only stairs. Alors, y aura-t-il des escaliers roulants ou j'imagine des ascenseurs peut-être là, pour joindre le niveau d'accès au train? Yes, so as mentioned, the stations are universally accessible. So there are elevators that will make it possible to access the level of the trains. Donc, comme je mentionnais plus tôt, là, les stations du REM sont accessibles universellement. Donc, oui, il y aura des escaliers. Il y aura également des ascenseurs qui vont permettre à tous là, de rejoindre le niveau des quais. Merci. Mais pour être plus précis, est-ce que les escaliers seront des escaliers roulants ou des escaliers fixes? C'est une bonne question. Je vous avoue que je sais qu'il y a des ascenseurs, il y a des escaliers. Est-ce qu'il y a des escaliers roulants en plus? On pourrait certainement faire le suivi là, à ce niveau-là. Ou je pourrais l'indiquer un petit peu plus tard. Oui, si vous avez la réponse en cours d'assemblée. parce que sa question était précise sur des escalators. Oui, donc, c'est vrai. Escalators, c'est des escaliers roulants. Donc, on pourra faire le suivi. Voilà. Yvon Grant avait une autre question. Est-ce que les vélos seront permis à bord du REM? Alors, peut-être Mario? Oui, les vélos sont permis à bord du REM, selon certaines contraintes, bien entendu, et on peut dire qu'on s'aligne sur les orientations qui sont plus réseaux avec le métro de Montréal et ces choses-là, et selon aussi l'achalandage qu'il y aura dans les voitures. Là, à l'heure de pointe, par exemple, lorsque des événements vraiment des événements spéciaux, il pourrait avoir certaines limitations. Aujourd'hui, on n'a pas le plan final là, sur les périodes qui pourraient avoir des restrictions concernant le déplacement des vélos. Merci. Question de Mme Marie-Andrée Mauger. J'imagine que c'est la même Marie-Andrée Mauger qui est conseillère d'arrondissement. J'en profite pour saluer encore une fois tous vos collègues élus de l'arrondissement. Alors, la question de Mme Mauger, est-ce qu'une station Bixi est prévue à la station Île-des-Sœurs, j'imagine aux abords de la station du REM. Alors, Isabelle, peut-être? Oui. Oui, en fait, on a un partenariat pour un déploiement là, du réseau Bixi sur tout le réseau. Comme je l'indiquais à quelques reprises, l'objectif, c'est vraiment de favoriser les accès à la station par transport collectif, mais aussi par transport actif, d'avoir un cocktail transport. C'est très important là, dans cette vision-là du REM. Du côté là, de la ville de Montréal, le déploiement des bornes Bixi, c'est coordonné par la ville-centre. C'est en analyse de leur côté. Il reste encore du temps avant la mise en service. Là, on espère bien là, que ça pourrait être possible. Merci beaucoup. Alors, pour le bénéfice des auditeurs, il y en a qui continuent à me poser des questions. On en a une quinzaine. Alors, question de Mme Carole Bellati. Est-on certain que la station de l'aéroport ouvrira tel que prévu? Il semble y avoir des problèmes reliés au financement. Ah, je vois que vous avez regardé les médias, Mme Bellati. Alors, qu'en est-il de cet enjeu? Oui, bien la station du REM à l'aéroport, c'est une station stratégique. Là, on le sait, à la base du projet du REM, c'était entre autres de connecter l'aéroport par transport collectif. C'est attendu depuis longtemps par toute la communauté métropolitaine. Donc, on est confiant qu'Aéroport de Montréal va trouver des solutions financières là, pour respecter ses obligations vis-à-vis le projet du REM.
Merci beaucoup. Alors, question de Mme Louise Constantin de Verdun. Les wagons n'ont-ils que des sièges latéraux et n'ont pas de sièges perpendiculaires comme dans le métro? Si c'est le cas, alors les wagons ne respectent pas l'accessibilité universelle car les personnes qui ont des problèmes de dos, des déformations de la colonne vertébrale ne peuvent pas circuler de côté car elles risquent de subir des blessures. Alors, qu'en est-il de cet enjeu d'accessibilité universelle et du type de siège? Est-ce que c'est M. Beausoleil ou Isabelle? Oh, je peux la prendre, oui, effectivement. Oui, l'aménagement des voitures sont effectivement avec des bancs latéraux à position latérale. Il faut souligner qu'ils sont quand même accessibles d'une façon universelle. Avec des endroits désignés pour des gens avec des problématiques de mobilité. Et ce qu'il faut souligner également, c'est la souplesse d'exploitation de ce genre de voiture-là. Comparativement, par exemple, au métro Montréal, où c'est pneumatique, il y a des taux de freinage qui sont très élevés, c'est-à-dire qu'on freine rapidement et on accélère aussi très rapidement. Au niveau du REM, c'est des roues de fer sur du rail de fer. Les accélérations se font en douceur et les décélérations également. Donc, mais effectivement, on vous confirme, les sièges présentement, ils sont bien d'une façon appuyés sur les cloisons du train, des voitures. Merci beaucoup pour cette réponse. Question de M. Jean-François Perrier. Pourquoi l'espace sous le viaduc n'est pas complètement fermé pour l'intégrer à la station? Le réseau doit être convivial et accueillant pour les usagers. Cet espace ouvert aux quatre vents sera froid, difficile d'entretien et le sentiment de sécurité ne sera pas optimal. Alors, sur cet enjeu d'aménagement. Isabelle, peut-être? Oui, oui. Oui. Oui, tout à fait. Je vais y aller. En fait, le passage ouvert entre le nord et le sud permet justement une connexion entre les différents quartiers de l'île des Sœurs. C'est un lien aussi qui permet l'éclairage naturel pour un plus grand sentiment de sécurité. Là, c'est une préoccupation qu'on a entendue à quelques reprises là, pour le tunnel. Entre autres, le fait qu'il soit ouvert, ça ajoute au sentiment de sécurité, ça ajoute de l'éclairage naturel. Merci beaucoup. Question de Nasreddin El-Dahabi. Est-ce que le système électrique du REM sera similaire à celui d'EXO, comme par exemple celui de Deux Montagnes, 25 kV AC, kilovolts AC? Est-ce qu'il sera le même ou ça sera un peu plus économique sur la consommation énergétique? Vous avez remarqué que je ne suis pas un électricien, dans la même manière de lire la question de M. El-Dahabi. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, l'alimentation électrique, c'est en courant continu pour nos véhicules du REM et c'est sur le 1500 volts. Donc, 1500 volts en courant continu. Donc, c'est vraiment différent de l'alimentation qui était présente sur la Deux Montagnes, par exemple. Donc, il y a vraiment, vous avez remarqué aussi sur Caténaire, donc c'est des systèmes électriques qui sont quand même très performant aujourd'hui, avec la récupération aussi d'énergie au freinage, qui est très important, c'est-à-dire les trains dans le voisinage d'un train qui freine vont bénéficier de cette régénération d'électricité causée par le train même sur la voie. Donc, on considère que c'est des trains mondialement des plus économiques présentement. OK. Donc, en comparaison avec ceux d'EXO dont M. parle, ce serait plus économique en termes de consommation d'énergie. Tout est relatif dans la vie, on le sait. EXO, les trains présentement, c'est des trains assez lourds. Donc, bien entendu, le poids est un facteur très important dans la consommation énergétique. Et de toute évidence, nos voitures seront moins pesantes que les voitures d'EXO utilisaient sur le Deux Montagnes. Donc, effectivement, si toute chose étant égale par ailleurs, ça serait intéressant d'avoir un calcul fait par livre, par exemple, mais ce n'est pas le genre de calcul qu'on a fait aujourd'hui. Mais on peut vous dire que le poids est inférieur et la dimension des voitures également est plus petite, donc, et la longueur des rames également. Merci beaucoup. Alors, question de Elia Feinstein. J'en profite pour m'excuser auprès de tous ceux dont j'aurais mal, ou ceux et celles dont j'aurais mal prononcé le nom. Alors, sa question, est-ce qu'il y aura des toilettes dans les stations du REM?
Marie-Isabelle? Non, en fait, ce n'est pas prévu qu'il y ait des toilettes dans les stations du REM. Là-dessus, vous pouvez avoir l'image là, des stations du métro, là, par exemple, où il n'y a pas de toilettes là, qui sont disponibles pour les usagers. Merci. Question de Edwin Guelfanbain. Quelles sont les mesures qui seront prises pour éviter les risques de congestion causés par la fermeture du boulevard René-Lévesque? Par le passé, la fermeture du boulevard a causé de la congestion de la Pointe-Nord. Alors, j'imagine que c'est une question pour M. Denet-Pancourt. Donc, évidemment, on sait que ces fermetures vont poser des problèmes, donc on va les limiter au maximum. On va essayer de rester en mode alterné le plus longtemps possible. Et l'autre mesure qu'on a prise aussi, c'est d'être certain que lorsque on fermait l'accès au rond-point Claude Robitel, eh bien on laissait la rue du Pont Champlain ouverte et on alternera. Mais on fera tout pour limiter dans le temps ces fermetures, et on fera tout aussi pour limiter la fermeture complète. Donc on essaiera de rester très longtemps en mode alterné, en trafic alterné dans ces zones-là. Merci beaucoup. Alors, il est 8h15, j'ai encore une dizaine de questions, donc on devrait y arriver 8h. Les cyclistes, question de Mme Geneviève Gay. Les cyclistes pourront-ils emprunter le tunnel de la station? Seront-ils séparés des piétons? En fait, il n'y a pas de passage prévu là, pour les cyclistes au niveau du passage piétonnier là, ou du tunnel sous la station. Donc, vous avez vu, là, il y a des supports à vélo aux deux intersections. On le sait, là, la cohabitation vélo-cycliste peut être un peu plus difficile. Donc, si les cyclistes veulent passer d'un côté à l'autre, bien, comme on le fait là, dans d'autres situations où c'est le cas, bien, ils devront descendre de leur vélo, marcher et pourront reprendre leur vélo à la piste cyclable qui est située de l'autre côté. Alors, sur le même sujet, Yvon Grant, combien de supports pour vélo seront disponibles? Votre site Internet indiquait seulement 20 jusqu'à récemment, soit un nombre ridicule dans le contexte du TOD, Transit Oriented Development, autour de la station de l'Île-des-Sœurs. Qu'en sera-t-il pour la sécurité et la protection contre la pluie et la neige pour ces installations de ces supports de vélo? Oui, en fait, le nombre de supports à vélo là, qu'on a présenté, donc 20 supports à vélo, il a été établi par une étude indépendante qui a été réalisée par Vélo Québec pour la station Île-des-Sœurs, mais aussi pour toutes les stations. On l'a mentionné à plusieurs reprises là, aujourd'hui lors de la soirée. L'objectif, c'est de s'assurer que les usagers, que vous pouvez rejoindre la station par transport collectif, par transport actif. Ça passe entre autres par le vélo. C'est sûr et certain que lors de la mise en service du REM, il y a un monitoring qui est fait, une évaluation qui est faite. Si on voit qu'effectivement 20 supports à vélo, c'est pas suffisant, il y aura des ajustements là, qui seront prévus. Je veux juste dire également qu'on prévoit 20 supports à vélo pour tous ceux qui font du vélo et qui barrent leur vélo. 20 supports n'égale pas nécessairement 20 vélos. Là, il peut avoir quand même un petit peu plus de place que ça qui est prévu. Pour ce qui est de la question au niveau de la protection des supports à vélo, là, c'est en cours de définition pour l'instant. Merci beaucoup. Question de Marcel Barthes. Pourquoi ne pas avoir pris la décision d'alimenter le REM par le bas, au sol, j'imagine dans les rails, non, plutôt que de nous faire cette infrastructure câblière au-dessus des rails, ce qui est loin d'être esthétique? Alors, M. Beausoleil, peut-être? Oui, alors la raison principale, c'est avec les intempéries du Québec, donc la neige qui s'accumule partout sur la plupart de notre réseau est à l'extérieur, il n'est pas en tunnel, par exemple. Donc, on a jugé que c'était plus techniquement viable d'avoir un caténaire. Également, ce qui nous permet de maintenir l'alimentation lorsqu'il y a des événements d'urgence, par exemple, où on aurait à envoyer des employés pour suppléer à un bris d'équipement ou quoi que ce soit. Ça nous permet de ne pas systématiquement enlever l'alimentation électrique qui, par ailleurs, lorsque c'est au sol, doit se faire d'une façon systématique. Donc, on peut très bien, par exemple, maintenir le chauffage dans les trains, l'air climatisé en été dans les trains pendant qu'on fait une intervention parce que c'est l'alimentation par le dessus et non pas par le sol.
Merci beaucoup. Question de M. Frank Shaw. Will automobiles still have access to the Champlain Bridge from the road near the fire station? We can now turn left before going under the autoroute. Alors, est-ce que les automobiles auront toujours accès au pont Champlain à partir de la route qui est près de la caserne de pompiers? En ce moment, on peut tourner à gauche avant d'entrer sous l'autoroute. Oui, donc c'est j'imagine là, qu'on parle de la rue du pont Champlain. Donc c'est une rue là qui ne changera pas, qui va demeurer ouverte là avec l'arrivée de la station. Ce que mentionnait Xavier, c'est qu'il va quand même y avoir des entraves ponctuelles, temporaires là sur la rue du pont Champlain pour les travaux de nouvelle ère en 2021. Mais l'objectif, c'est que la rue demeure accessible. So the Pont Champlain Street will still be accessible when the REM will be in service. As mentioned by Xavier earlier in the presentation, there will be a temporary obstruction of the street in 2021, but it's temporary. The street will remain when the REM will be in service. Merci. Alors, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, il nous reste 8 questions, une dizaine de minutes, donc on devrait pouvoir y arriver. Michel Vivier pose la question suivante. Est-ce que les fondations et murs de la station seront à l'épreuve des graffitis qui tôt ou tard apparaîtront? Alors, Mario ou Isabelle? Isabelle, je pense. Oui, je vais commencer, puis Mario, tu pourras compléter au besoin. En fait, pour les structures du REM, nous avons des enduits là qui sont mis au niveau des structures pour je dirais pas éviter les graffitis, là, c'est pour les rendre un petit peu plus faciles en fait à être enlevés. Et il y a aussi des provisions là, dans le contrat que nous aurons avec le consortium qui va gérer l'exploitation de REM pour être en mesure de retirer les graffitis s'il y en a qui sont là rapidement. C'est sûr que pour des infrastructures urbaines, c'est pas un problème qui est spécifique au REM. Là, on le voit entre autres au niveau du projet Turcot, par exemple. C'est un problème qui est assez généralisé, là, le fait qu'il y a des graffitis. Donc, on a prévu des mesures, mais il n'existe pas nécessairement de mesures pour empêcher les gens là, de faire des graffitis. Donc, je vais laisser Mario compléter au besoin. Oui, absolument. Et on ajouterait également qu'effectivement, notre opérateur a l'obligation, dans le fond, c'est tolérance zéro sur les graffitis. Nous participons à des groupes de travail internationaux là sur divers aspects d'opération et il apparaît évident pour les réseaux dans le monde que la meilleure façon de réduire, parce que Isabelle, je crois que tu as bien dit tantôt, c'est quand même une problématique qui n'est pas propre au réseau automatisé de train, mais la tolérance zéro, donc ça veut dire dès l'apparition d'un graffiti, il y a une intervention immédiate qui se fait dans les plus brefs délais pour enrayer le graffiti. C'est ce qui donne les meilleurs résultats aujourd'hui sur le contrôle des graffitis qu'il peut avoir sur les ouvrages d'art. Merci beaucoup à vous deux. Quel sera le degré de nuisance sonore anticipé, les décibels? Question posée par Stéphanie Dumont. J'imagine que Mme Dumont là, parle des décibels lors de l'exploitation du REM, donc lorsque les voitures du REM vont circuler. Donc, il y a une modélisation qui est en cours du côté du REM pour évaluer le climat sonore en exploitation. Donc, lorsque le REM va être en circulation, c'est en cours. S'il y a des impacts significatifs qui sont notés, il y a des mesures d'atténuation qui vont être mises en place. Ça va prendre la forme, en fait, de murs anti-bruit. À la base, le REM, c'est une technologie plus moderne, en fait plus silencieuse que, par exemple, les trains lourds. Là, on a beaucoup cette image-là. Là, il y a beaucoup de bruit, de sources de bruit qui ne seront pas là avec le REM, comme par exemple le frottement ou le grincement des roues, des rails. On parle vraiment d'un métro léger. Donc, on est dans un autre registre. Pour la station Une des Sœurs aussi, c'est une station qui est au centre de l'autoroute. Il y a déjà
un bon niveau là, de bruit ambiant. Mais la modélisation va nous permettre de voir si effectivement il y a un impact ou non. Merci beaucoup. Question de Sven Hubinette. Will the train entry gates be clearly indicated when only two cars are running? Autrement dit, quand il y aura seulement deux voitures dans la rame plutôt que quatre, est-ce qu'on va clairement indiquer quelles seront les portes-palières où on peut entrer et celles où on n'entrera pas? Yes, every door that you can access the train will be implemented with an indicator of the not only that the door is right in front of the door of the train. So if you have two car trains or four car trains, all the doors available will be signed, and after that, even if the next train will enter the station, before it will enter the station, at the head of the portal doors, you will have the indication of the state of the car. Is it empty? Is it half full or full? So you will have these kind of indication on each portal door. Merci Mario. Est-ce que tu peux répéter en français? L'explication en français, s'il te plaît? Oui, oui, absolument. Donc, chaque porte, des portes palières là, qui sont un peu à la manière des portes d'ascenseur, là, vis-à-vis les portes des rames entrant en station, chaque porte qui est alignée sur une porte d'un wagon, c'est-à-dire d'une voiture. S'il y a deux voitures, seulement les portes où les deux voitures qui auront une indication de disponibilité. Et en plus, au-dessus de chaque porte, pour le prochain train entrant à la station, vous allez pouvoir voir la capacité restante dans chacune des voitures. Donc, vous pourriez, par exemple, sur le train, vous repositionner vis-à-vis une porte qui va vous donner plus d'espace dans une voiture, par exemple en tête ou en queue de rame, qui généralement a plus d'espace qu'en plein centre. Donc, vous allez avoir cette indication-là. Merci beaucoup. Question de M. Alain Charbonneau. Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît, les véhicules qui déposeront des passagers au débarcadère sortiront de la rue du Pont-Champlain à quel endroit pour aller joindre la rue Place du Commerce? Alors, est-ce qu'on peut être plus précis? Oui, je vais tenter de l'être. En fait, la connexion avec la rue Place du Commerce, là, c'est ce qui est en place en ce moment. Donc, vous allez continuer sur la rue du Pont-Champlain et vous pourrez tourner à gauche pour rejoindre la rue Place du Commerce avant de rejoindre la bretelle là, qui vous mène au Pont-Champlain, en fait, dans la direction sud sur le Pont-Champlain, sur l'autoroute 15. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 6 questions. Danny Mongrain, tel que promis au lancement du projet REM, y aura-t-il un accès direct entre la station Gare Centrale et Place Bonaventure sous la rue de la Gauchetière, ce afin d'optimiser les déplacements entre le REM et la station de métro Bonaventure? Est-ce qu'on sait ça? Oui, en fait, la station REM de la gare centrale, elle a une entrée, une sortie qui mène à la gare centrale et une sortie qui mène à la place Bonaventure. Les autres liens sont les parcours souterrains existants là, à partir, entre autres, de la salle des pas perdus, comme je le mentionnais plus tôt. Merci beaucoup. Question de AS. As the question of a car park for shared service example, Communauto has been raised, or is it envisioned for integration in relative proximity to the station? Y aura-t-il un stationnement communauto à la station ou près de la station? Oui, je vais commencer en français, je vais y aller en anglais par la suite. Donc, comme pour Bixi, il y a un partenariat avec Communauto, donc il y a des discussions qui sont en cours. L'objectif, c'est vraiment d'ajouter des options aux usagers pour pouvoir rejoindre la station, pour utiliser le transport collectif, l'autopartage. As mentioned earlier in the presentation, as for Bixi, we have a partnership with Communauto.
Our goal is really to implement as much transportation solutions as we can for users to be able to use to access the REM station and to use transit networks. Merci beaucoup. Quatre autres questions qui nous restent. Extension du REM sur la rive nord. Est-ce qu'il y a une possibilité d'agrandir le REM jusqu'à Bois-des-Filions? Question de M. Louis Hernandez. Entre parenthèses, c'est écrit Bois-des-Filions. Donc, j'imagine qu'il réside là-bas. Oui, en fait, peut-être un mot sur le modèle d'affaires de CDPQ Infra. En fait, c'est le gouvernement du Québec qui demande à CDPQ Infra de réaliser des études qui identifie le besoin en transport collectif. En ce moment, du côté de la Rive-Nord, il y a eu une demande qui a été faite par le gouvernement Legault d'évaluer un prolongement vers Laval. Donc, les études sont en cours en ce moment. Donc, ce n'est pas le REM, par exemple, qui déciderait là, de faire un prolongement jusqu'à Bois-des-Filions. Pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est des études liées à un prolongement vers Laval. Merci beaucoup. Question de M. Gabriel Lantier de Verdun. Bonjour. Puisqu'un des objectifs est de favoriser le transport actif, pourquoi ne pas offrir des abribus chauffés à la station du REM pour encourager les gens à utiliser les autobus? En fait, ce n'est pas prévu du côté de l'île des Sœurs d'avoir des abribus chauffés. Comme vous l'avez vu sur le plan d'implantation, c'est situé très près aussi de la station. Il y a des terminus d'autobus là, dans le cadre du projet du REM, notamment la station Brossard, station Panama, Fairview Pointe-Claire, où là, il y a des infrastructures un petit peu plus poussées là, en termes d'abri, en termes de chauffage, mais du côté de l'île des Sœurs, c'est pas prévu. Merci. Monsieur Beausoleil, question pour vous de Kevin Hirsch. Suite à la question déjà posée sur la capacité, est-ce que vous envisagez de réserver des wagons qui seraient pour un premier embarquement à l'île des Sœurs, notamment aux heures de pointe? Alors, le wagon arriverait vide à l'île des Sœurs. Non, malheureusement, ce n'est pas prévu dans aucun plan d'opération aujourd'hui sur les trains du REM. Puisque dans le fond, les trains sont à la queue leu-leu. Hein. Donc, lorsqu'on débute le service le matin, par exemple, à l'heure de pointe, il y a beaucoup de trains qui sont envoyés vers le centre-ville, donc qui vont partir de la Rive-Sud vers la gare centrale, même avant le besoin associé à la clientèle. Donc, il va y avoir une surcapacité dès le début. Donc, bien entendu, ce qu'on appelle les épaules de la pointe, donc au début de la période de 3 heures et à la fin de la période de 3 heures, ça va donner beaucoup de capacité dans ces temps-là. Généralement, on considère que l'heure de pointe, ou plutôt la pointe de la pointe, si on l'appelait comme ça, ça dure 1 heure de temps. C'est là où vraiment il y a beaucoup de gens. Ça dure environ 1 heure pendant les 3 heures. Mais aux autres périodes, vous allez avoir autant de rames qui vont être disponibles, mais moins de gens à l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question sur le module de questions, mais elle est disparue. Alors, la voilà, elle est revenue, je pense, celle de M. Nicolas Roy de l'Île des Sœurs. Quand pourrez-vous nous indiquer si des escaliers mobiles seront installés ou non à la station de l'Île des Sœurs? Vous le feriez. Oui, j'ai justement la réponse là-dessus. En fait, c'est déjà prévu. Donc, je confirme qu'il y a des escaliers mécaniques là, qui vont être situés de part et d'autre de la station. Merci beaucoup. Alors, à nos amis de la logistique qui s'occupent du module des questions, j'ai cru voir une question qui aurait disparu, mais peut-être est-ce moi qui me trompe. Sinon, on y a toutes répondu. On avait dit qu'on se rendrait jusqu'à 8 heures, il est 8h02. Alors, je pense que c'est un défi qui est bien relevé. Alors, je veux remercier immédiatement Isabelle Lachance, Mario Beausoleil et Xavier de Nettencourt qui ont été avec nous pour les présentations, les périodes de questions. Je veux surtout vous remercier, vous, d'avoir assisté nombreux et nombreuses à cette séance d'information. Je voudrais vous dire, en terminant, que la captation vidéo de cette soirée sera disponible sur le site web du REM dans les
prochains jours, prochainement, sous l'onglet « Événements ». Alors, la même chose pour les rendus que vous pouvez aller consulter, que vous pourrez aller consulter sous l'onglet « Station » dans la fiche « Station de l'île des Sœurs ». Alors, il ne me reste qu'à vous remercier tous et toutes et puis à vous souhaiter une bonne fin de soirée, beaucoup de prudence et des beaux préparatifs de vos réjouissances du temps des fêtes sécuritaires cette année. Alors, merci à tout le monde encore une fois. Merci aux gens de Digicast Pro qui nous ont assistés pour toute la technique et la diffusion. Et merci à toute l'équipe de communication qui est derrière la scène. Alors, bonne fin de soirée à tous, Madame, Monsieur.